Bonjour, je m'appelle Joël Courtois et je suis directeur général de l'EPITA, Grande École d'ingénieurs du numérique. Notre engagement auprès de la Défense nationale s'est concrétisé il y a 2 ans par la signature d'un accord de partenariat. L'accord qui a été signé il y a 2 ans nous a permis de formaliser l'engagement à la fois des étudiants, de l'école et du personnel de l'école, puisque nous sommes engagés à libérer du temps pour tous les collaborateurs et pour les étudiants pour s'impliquer dans des actions de préparation, d'entraînement, de façon à ce qu'il y ait des équipes réellement opérationnelles au service de la nation en cas d'attaque cyber dont nous savons qu'elles ne font que se multiplier avec le temps. Un exercice comme DEFNET rentre exactement dans cette problématique puisque l'on va trouver une mise en situation réelle et nous allons avoir avec l'encadrement de la com cyber des officiers qui vont accompagner nos élèves pour les aider à résoudre un problème réel, une véritable mise en situation, de façon à ce que ces mises en situation professionnelles soient de véritables sessions d'entraînement pour nos élèves qu'ils retrouveront dans la réalité à la sortie de leurs études, où ils pourront rejoindre des start-up, de grandes entreprises, mais aussi les services de l'État, l'armée, qui recrutent également régulièrement parmi nos étudiants. Nous sommes donc très heureux de ce partenariat avec la Garde nationale.